Nangs Reborn. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Nangs Reborn. C'est une grande joie pour moi de vous revoir. Je suis tombé sur une affirmation très grave venant d'un rappeur aux États-Unis. Un rappeur qui s'est fait appeler NBA Youngboy. C'est une vidéo qui est en train de faire le tour des réseaux sociaux et qui est venue jusqu'à moi. Et quand j'ai entendu ce qu'il a dit, je me suis dit qu'il faut que je vous en parle pour qu'on puisse réagir ensemble. Et pourquoi pas comprendre en même temps ce qui se passe réellement aux États-Unis. Pourquoi des jeunes gens meurent, surtout les jeunes gens qui sont dans l'industrie du rap. Qu'est-ce que ce rappeur a dit? Ce rappeur a dit qu'il faut tuer pour être un homme. Parce que se battre, se bagarrer n'est pas suffisant pour faire de vous un homme. Ah! Sérieux? Je viens de découvrir ça encore et je partage avec vous. Il a dit qu'il faut tuer pour être un homme. Parce que se bagarrer n'est pas suffisant. De quoi est-il en train de parler? My God. Déjà, aux États-Unis, on sait que là-bas, l'insécurité, vraiment, c'est l'un des plus grands problèmes de ce pays-là. Et vraiment, vous ne pouvez pas vous imaginer ce qui se passe là-bas. À chaque fois, on attend des rappeurs qui sont morts ici, d'autres sont morts là. Par exemple, un jour, j'ai fait une vidéo où je vous ai dit qu'il y a un rappeur qui a été tué chez lui. C'est-à-dire, les gens sont venus chez lui, le cambrioler. Et puis, comme ils ont juste tiré sur lui, il est mort. Et ce rappeur s'appelle Pop Smoke. Il a décidé juste comme ça. Un jeune âge, je crois qu'il avait 21 ans. Waouh. Et j'ai aussi vu XX Tentation qui s'est fait éliminer par des gens. Et il était dans sa voiture, sa nouvelle voiture. Une BMW qu'il venait d'acheter. Que se passe-t-il? Personne ne sait. Il n'y a pas longtemps, on a vu un autre rappeur qui s'appelle 6ix9ine qui s'est retrouvé en prison. Et il a fait des révélations graves sur des gangs qui existent là-bas et qui ont un lien avec les stars de la musique. Et quand on met sur table toutes ces informations, on se dit que vraiment ce qui se passe là-bas, c'est pire que de la sorcellerie. Oui, quelqu'un va se lever comme ça, des gens vont se lever comme ça et tirer sur n'importe qui. Il n'y a pas longtemps, j'ai même fait une vidéo où je vous ai montré des jeunes rappeurs qui étaient juste arrêtés là. Et voici une voiture qui est passée et des gens à l'intérieur se sont mis à tirer à gauche et à droite, en fait sur eux-mêmes. C'est comme s'ils voulaient les abattre sur le champ. My God. Quand on entend ce que NBA Youngboy a dit, vraiment, on peut comprendre facilement de quoi il s'agit. Comme quoi, pour eux, être un vrai cas, c'est-à-dire devenir un vrai cas, ou en fait, pour être vu comme un vrai cas, il faut tuer. Quand tu tues quelqu'un, tu prouves à ton gang que tu es un homme. C'est quand on appartient à des groupes de personnes qui sont, qu'on appelle les gangs, quand on appartient à de tels groupes de personnes, c'est là on obtient cette idée-là. Oui, sans doute, c'est ce qu'il a vu qu'il dit. Oui, c'est ce qu'il a vu là-bas qu'il a dit. Et ça, c'est vraiment inquiétant. Vraiment inquiétant. Vous savez,
Souvent dans certains pays, ou bien dans le rap, même dans le sud du rap et les autres musiques, souvent on entend des gens faire des clashs. Les gens font des clashs par-ci, des clashs par-là. Mais là, on ne parle pas de clash. On parle des gens qui, pour pouvoir prouver aux autres qu'ils sont forts, veulent aller jusqu'aux tueries. Ça veut dire que eux, leur clash là, c'est devenu du grand n'importe quoi maintenant. Au point où ils veulent s'éliminer. On a vu également un rappeur qui est parti, un rappeur à l'ancienne qui est parti là. Comment s'appelait-il? Il était aux États-Unis. Tupac. Apparemment, ils n'ont pas retrouvé son corps. Hein. Jusqu'aujourd'hui, on ne sait même pas où son corps est parti. Les gens meurent juste comme ça. Juste comme ça. Ah! Si tu regardes cette vidéo et que tu te trouves dans des gangs et autres, et que pour prouver aux gens, à tes amis, que tu es un frère qu'il faut tuer, moi je vais te dire, mon frère, ça ne vaut pas la peine. Ça ne vaut vraiment pas la peine. Parce que tuer quelqu'un, c'est quand même le péché le plus grand, non? Le plus grand péché, non? Ha! Moi, je vous parle de quelque chose. Et je vous dis la vérité. Il n'y a rien dans cette histoire d'orgueil ou de bad boy. Les gens veulent être des mauvais garçons ou des garçons manqués. Il n'y a rien de ça, sinon que de la tristesse après. Je juge gens quand ils entrent dans des gangs, ils font des trucs, à un moment donné, ça chauffe sur eux. Ils veulent en sortir, ils ne peuvent pas. Ils ont décidé de passer par des gangs pour montrer à tout le monde que eux, ils sont forts, parce que là-bas, c'est comme ça. Mais les retombées. Les retombées! Et tout ce que tu connais. Certains sont là-bas. Et dans de telles choses, dans de tels groupes, ils arrivent même au niveau où ils signent des pactes avec des démons. Il faut des rituels pour être plus fort. Et c'est vraiment grave. Très, 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 très grave. Vraiment très 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 grave et ça se répand de jour en jour. Il y a même des gens même qui sont restés dans de tels endroits jusqu'à avoir même les 40 ans, 45 ans. Ces gens-là sont toujours dans des faux coups, dans des bails noirs et ils sont là sur le de faire du grand n'importe quoi sur la terre. Vous les voyez, vous les enviez parce que ces gens ont de grosses chaînes, des chaînes en or et toutes les choses que. Vous ne pouvez pas comprendre facilement. Ha! Aïe, 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 vous ne pouvez pas vous imaginer ce qui se passe. Vous devez comprendre que la vie dans laquelle nous sommes, c'est un piège. Il y a beaucoup de surprises sur la terre. Il faut vraiment grave faire attention. Moi, je réagis face à cette affirmation parce qu'elle est grave. Elle est en train de faire le tour des réseaux sociaux. Il faut que quelqu'un vous dise vraiment que c'est pas une bonne chose à faire. Sinon, les jeunes gens vont se lever et adopter cette affirmation. Et peut-être même aller jusqu'à la mettre en pratique. C'est comme le satanisme. Dans les satanistes, même dans la sorcellerie, les gens ont besoin de votre premier sacrifice. Il y a un lien très très fort entre la sorcellerie, le satanisme et puis les histoires de gang. En fait, c'est le diable qui maintient de tels réseaux, de tels groupes, de telles organisations criminelles. Et ça là, c'est pas de la blague. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Est-ce que pour être un vrai cas, un vrai homme, une vraie personne, il faut tuer? J'aimerais vraiment savoir ce que vous en pensez et je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo. Restez connectés sur ce board. C'est parti.
Nangs Reborn.